Bonjour les enfants, c'est la maîtresse. Bon voilà, je vous ai demandé dans la dernière fiche de maths de faire des groupements par 10 et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu ensemble. Donc je voulais faire un petit point avec vous. Voilà, par exemple là, vous avez les papillons et je vous demande de faire des groupes par 10. Donc ce que vous pouvez penser à faire, c'est compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sauf que le problème, c'est qu'après, vous savez plus exactement quel papillon vous avez compté. Est-ce qu'on a compté celui-là? Est-ce qu'on a compté celui-là? Voilà, c'est. Vous risquez de vous embrouiller. Donc, l'idée à laquelle vous pouvez penser aussi, c'est faire des petits points comme vous en avez appris en maternelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seulement, le problème qui peut se poser, c'est qu'après, pour entourer, ça peut être un peu compliqué parce que comment entourer celui-là? Et puis celui-là, et puis en fait ces deux-là aussi. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire comme un chemin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez vu, à chaque fois que je vais sur un nouveau papillon, je compte en même temps. Et tous les papillons sont bien à côté les uns des autres. Comme ça, après, j'ai plus qu'à les entourer. Donc là, j'ai un groupe de 10 papillons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'arrive à 10, je m'arrête, je les entoure. Ça fait deux groupes de 10 papillons. Et après, je compte ceux qui restent. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'on peut faire un groupe de 10? Non, ils ne sont pas assez nombreux. Donc, on les laisse. On ne les entoure pas. Ensuite, ici, vous avez un petit tableau à compléter pour les dizaines et les unités. Alors, il y a deux groupes de 10 papillons, donc deux dizaines. Et il y a cinq papillons qui restent tout seuls parce qu'il n'y avait pas assez de papillons pour faire un groupe de 10. Donc, cinq unités. Et deux dizaines et cinq unités, ensemble, ça fait 25. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et vous avez remarqué, 25, c'est pareil que 2 dizaines et 5 unités. C'est pour ça que là, on voit un 2, parce que c'est 2 dizaines, et ici un 5, parce que c'est 5 unités. 2 dizaines et 5 unités, ensemble, ça fait 25. Voilà les enfants, je vous dis à bientôt pour d'autres petites vidéos où je continuerai à vous expliquer des petites choses comme ça. Bonne journée! Bonjour les enfants, c'est la maîtresse. Bon voilà, je vous ai demandé dans la dernière fiche de maths de faire des groupements par 10 et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu ensemble. Donc je voulais faire un petit point avec vous. Voilà, par exemple là, vous avez les papillons et je vous demande de faire des groupes par 10. Donc, ce que vous pouvez penser à faire, c'est compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sauf que le problème, c'est qu'après, vous savez plus exactement quel papillon vous avez compté. Est-ce qu'on a compté celui-là? Est-ce qu'on a compté celui-là? Voilà, c'est. Vous risquez de vous embrouiller. Donc, l'idée à laquelle vous pouvez penser aussi, c'est faire des petits points comme vous en avez appris en maternelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seulement, le problème qui peut se poser, c'est qu'après, pour entourer, ça peut être un peu compliqué parce que comment entourer celui-là, et puis celui-là, et puis en fait ces deux-là aussi. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire comme un chemin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez vu, à chaque fois que je vais sur un nouveau papillon, je compte en même temps. Et tous les papillons sont bien à côté les uns des autres. Comme ça, après, j'ai plus qu'à les entourer. Donc là, j'ai un groupe de 10 papillons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'arrive à 10, je m'arrête, je les entoure. Ça fait deux groupes de 10 papillons. Et après, je compte ceux qui restent. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'on peut faire un groupe de 10? Non, ils ne sont pas assez nombreux. Donc, on les laisse. On ne les entoure pas. Ensuite, ici, vous avez un petit tableau à compléter pour les dizaines et les unités. Alors, il y a deux groupes de 10 papillons, donc deux dizaines.
Et il y a 5 papillons qui restent tout seuls parce qu'il n'y avait pas assez de papillons pour faire un groupe de 10. Donc 5 unités. Et 2 dizaines et 5 unités, ensemble, ça fait 25. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et vous avez remarqué, 25, c'est pareil que 2 dizaines et 5 unités. C'est pour ça que là, on voit un 2, parce que c'est 2 dizaines, et ici un 5, parce que c'est 5 unités. 2 dizaines et 5 unités, ensemble, ça fait 25. Voilà les enfants, je vous dis à bientôt pour d'autres petites vidéos où je continuerai à vous expliquer des petites choses comme ça. Bonne journée! Bonjour les enfants, c'est la maîtresse. Bon voilà, je vous ai demandé dans la dernière fiche de maths de faire des groupements par 10 et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu ensemble. Donc je voulais faire un petit point avec vous. Voilà, par exemple là, vous avez les papillons et je vous demande de faire des groupes par 10. Donc, ce que vous pouvez penser à faire, c'est compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sauf que le problème, c'est qu'après, vous ne savez plus exactement quel papillon vous avez compté. Est-ce qu'on a compté celui-là? Est-ce qu'on a compté celui-là? Voilà, c'est. Vous risquez de vous embrouiller. Donc, l'idée à laquelle vous pouvez penser aussi, c'est faire des petits points comme vous aurez appris en maternelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seulement le problème qui peut se poser, c'est qu'après pour entourer, ça peut être un peu compliqué parce que comment entourer celui-là, et puis celui-là, et puis en fait ces deux-là aussi. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire comme un chemin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez vu, à chaque fois que je vais sur un nouveau papillon, je compte en même temps. Et tous les papillons sont bien à côté les uns des autres. Comme ça, après, j'ai plus qu'à les entourer. Donc là, j'ai un groupe de 10 papillons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'arrive à 10, je m'arrête, je les entoure. Ça fait deux groupes de 10 papillons. Et après, je compte ceux qui restent. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'on peut faire un groupe de 10? Non, ils ne sont pas assez nombreux. Donc, on les laisse. On ne les entoure pas. Ensuite, ici, vous avez un petit tableau à compléter pour les dizaines et les unités. Alors, il y a deux groupes de 10 papillons, donc deux dizaines. Et il y a 5 papillons qui restent tout seuls parce qu'il n'y avait pas assez de papillons pour faire un groupe de 10. Donc 5 unités. Et 2 dizaines et 5 unités, ensemble, ça fait 25. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et vous avez remarqué, 25, c'est pareil que 2 dizaines et 5 unités. C'est pour ça que là, on voit un 2. Parce que c'est 2 dizaines, et ici un 5, parce que c'est 5 unités. 2 dizaines et 5 unités, ensemble, ça fait 25. Voilà les enfants, je vous dis à bientôt pour d'autres petites vidéos où je continuerai à vous expliquer des petites choses comme ça. Bonne journée!